La Fondation Orange a récompensé deux projets qu'ils ont dénommés « Coup de cœur au féminin ». C'est à travers son programme Maison Digitale qu'elle accompagne les femmes des milieux défavorisés en République démocratique du Congo. Les deux femmes qui ont remporté le projet qu'Orange avait mis à leur disposition depuis plusieurs mois vont bénéficier du soutien financier de la Fondation pour la réalisation de leur projet. Après plusieurs mois de formation des femmes à la maison digitale Ndakuyaba Maman, deux projets ont retenu l'attention de la Fondation Orange qu'ils ont dénommé Coup de cœur au féminin. Ces deux femmes qui ont remporté le projet bénéficieront de l'accompagnement financier d'Orange Congo pour la concrétisation de leur projet. La Fondation Orange a sélectionné deux projets qu'on a appelés Coup de cœur au féminin. Et la Fondation Orange va accompagner ces deux mamans dans leur projet avec un financement. Et pour nous, c'est l'occasion de manifester notre engagement dans l'autonomisation de la femme en participant à son développement qui passe aujourd'hui par le digital et par le numérique. Et nous sommes très fiers de porter ce projet et très fiers de ces mamans qui ont accompli cette formation en digital, en informatique et en entrepreneuriat. Former les dames âgées n'est pas très facile, mais les formateurs n'ont pas lâché prise. Ils se disent satisfaits de voir la concrétisation de ce projet. On a eu à travailler avec ces mamans pendant un long moment. Et voir se concrétiser, arriver jusqu'à la fin de cette formation et puis voir ces mamans recevoir leur brevet, ça a été vraiment un plaisir. Les gagnantes du projet n'ont pas caché leur joie et remercient Orange pour l'opportunité qu'elles ont eue au cours de cette formation. Mon projet a été sélectionné, j'ai été une lauréate, c'est pourquoi j'ai eu ce brevet, c'est une qualification. Nous n'oublierons jamais cet acte et que ça ne puisse pas s'arrêter ici, et continuer encore pour aider les autres mamans dans d'autres communes ou partout ailleurs en RDC. Ça va beaucoup nous aider parce que Orange vient de nous financer deux projets et c'est là qu'on permettrait sur les réseaux sociaux de s'en puisse acheter nos produits facilement sans se déplacer. Aujourd'hui, Orange vient de financer nos projets, l'accepter. Je suis vraiment très contente. Merci vraiment à Orange. Depuis l'année 2017, la Fondation Orange œuvre au mieux-être des femmes dans les milieux défavorisés en RDC à travers son programme des maisons digitales qui vise à les rendre plus autonomes grâce à la formation numérique. Ainsi formées à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les femmes seront davantage en capacité d'avoir accès à une activité rémunérée ou de se reconvertir professionnellement.